Bonjour à vous les amis béliers, je suis très content de vous retrouver, je m'appelle Benoît et bienvenue sur la chaîne Highland Guidance. Et on va pouvoir démarrer vos tirages du mois de juin. Quand je regarde d'où vous venez, ce qui a été relativement important, c'est que vous avez su tenir, il y a le mot maîtrise qui vient. Vous avez su résister sans doute à différentes tempêtes, différentes épreuves qu'on vous avait envoyées. Et il y a eu comme une éclaircie, ou d'y voir aussi peut-être plus clair, sur l'importance de pouvoir continuer à avancer sans que vous ne sachiez vraiment où vous alliez. Mais dans tous les cas, il y avait vraiment ce besoin, je dirais peut-être, de vivre un nouveau départ. Et de continuer à avancer, ou en tout cas de reprendre le goût d'avoir de nouveau cette envie de vouloir avancer, de vouloir vivre de nouvelles choses, sans forcément savoir ce que c'était. Vous avez su garder la tête froide. Là, actuellement, ce qui est génial pour moi, c'est que vous avez su vous montrer patient, et que cette patience est en train de payer. Parce que vous allez récolter en fait tout le fruit de tout ce travail. De tout ce travail, et vous en êtes vraiment à une période de transformation, de métamorphose. Où vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer, même si peut-être vous n'avancez pas encore de façon trop rapide. Vous prenez le temps de voir les choses. Vous prenez le temps aussi de comprendre que vous êtes... sur cette période aussi de transformation. Votre objectif, il est hyper intéressant, puisque votre objectif, il va être de, peu importe le domaine, d'avoir de nouveau le goût à quelque chose. D'avoir de nouveau le goût à quelque chose, de vouloir vivre quelque chose. De nouveau, d'avoir un nouveau but. C'est surtout ça, d'avoir un nouveau but. Et par rapport à ça, justement, eh bien, vous allez apporter des changements ce mois-ci qui vont être vraiment concrets. Vous allez apporter des changements qui vont être concrets, qui vont être aussi plus en accord avec qui vous êtes ou avec vos valeurs. Et ce but, cette nouvelle envie, cette nouvelle passion, c'est quelque chose qui va vous permettre de reprendre la route. Vous allez être déterminé à aller chercher ce que vous voulez. Les difficultés que vous devez surpasser ce mois-ci. Alors, avec les difficultés que vous devez surpasser avec ces trois cartes-là, il se pourrait... Alors, je ne sais pas si... Puisque cette carte-là vous parle du monde qui vous entoure, vous parle des autres, vous parle des aides. Alors, est-ce que vous avez un choix à faire? Visiblement, peut-être, il se pourrait... Alors, pas tout le monde vit les choses de la même manière, mais vous pouvez avoir du tri à faire au niveau relationnel, au sens large, qui vous inclut vous et les autres. Il se peut aussi qu'on vous demande d'écouter aussi ce que vous ressentez, de savoir ce que vous voulez vivre, quel chemin vous apportera plus d'épanouissement au niveau émotionnel, au niveau du cœur. On vous demande d'écouter non pas que votre tête et la partie logique, parce que finalement, vous avez dû la vivre. C'est comme si votre tête était mise en pilote automatique. Il faut que je m'organise, il faut que je prévoie, il faut que je reprenne le dessus. Et là, on vous montre aussi qu'il est temps d'écouter votre cœur, que tout ce qui se passera dans la vie émotionnelle, peut-être même spirituelle, aura une importance. Et c'est peut-être la difficulté de savoir exactement ce que vous voulez démarrer ou redémarrer. Il se peut que pour certains, vous ayez peut-être un choix entre deux choses ou deux personnes aussi ce mois-ci. Ce qui va arriver de l'extérieur, c'est qu'elles sont ultra fortes et elles sont beaucoup liées au spirituel, hein, dans ce qui arrivera de l'extérieur, c'est que vous allez vous remettre en marche. Non seulement vous vous remettez en marche et vous comprenez l'importance de vous écouter, de vous prendre en considération, de réouvrir peut-être votre cœur. Et par rapport à ça, les choses, c'est comme si vous activiez un palier, ou que vous passez à une étape supérieure. Et du coup, par rapport à ça, eh bien, les choses vont bouger. Les choses vont bouger relativement vite parce que vous avez su vous-même comprendre des choses.
Par rapport à ça, on vous apporte, j'ai l'impression, des éléments de réponse et on vous fait prendre conscience, en fait, à quel point vous avez grandi et à quel point le chemin que vous avez parcouru vous emmène à une nouvelle compréhension. Parce que finalement, j'ai l'impression que... Alors là, où cela vous mène, c'est que pour retrouver un bel équilibre, vous allez comprendre que toute une partie de votre vie ou dans ce que vous avez vécu dernièrement, vous étiez peut-être dans une lutte envers vous-même par rapport à des choses que vous ressentez, peut-être dans une lutte de ne pas savoir où vous alliez, ou peut-être dans une lutte dans le sens où vous envisagiez certaines difficultés, mais que du coup, cela vous empêchait de voir différemment et que vous vous étiez persuadé de certaines choses ou que vous étiez bloqué ou que vous ne pouviez pas avancer, et ça vous avait fait perdre presque le goût d'avancer, cette sensation d'être à terre, de se sentir tellement épuisé, de se sentir tellement au bout du rouleau, au bout d'un chemin, que pour vous c'était difficile. Et là on vous montre justement que pour moi, ça, ces difficultés-là, elles étaient aussi très mentales. Elles ont été liées parce qu'à un moment donné, vous avez plus travaillé avec la tête d'une façon logique, de savoir comment vous alliez faire. Là, vous comprenez aussi l'importance de rééquilibrer les choses et de vous libérer d'un certain poids, de vous libérer d'une blessure, de vous libérer d'un fardeau que vous avez porté et qui a été lourd, en fait, tout simplement à porter. Du coup, l'issue de votre tirage, c'est que vous allez avoir une grande décision. Il y a une grande décision qui va apporter un immense changement. Cette décision que... vous en soyez auteur ou que quelqu'un la prenne à votre place, moi j'ai quand même l'impression que ça soit vous. Cette grande décision, elle va vous permettre de totalement vous libérer de toutes ces chaînes, de tout ce qui vous entravait, de tout ce qui vous enfermait, d'avoir cette sensation de ne plus être libre. Et par rapport à ça, là on vous le montre. Oui. Une décision à prendre pour sans doute vivre quelque chose de nouveau. Si on repose une petite carte, vous voyez, de ne plus rester prisonnier. C'est intéressant puisque c'est exactement, alors différemment, là il y a un écoulement, mais là aussi vous comprenez que vous vous êtes peut-être refusé certaines choses ou que vous pensiez que vous n'étiez pas légitime, manque de confiance en soi, et vous vous étiez tellement accroché à voir ce qui ne fonctionnait pas, ça vous avait aussi empêché de voir qu'il y avait des solutions. On va tirer une petite carte des chemins de l'éveil pour vous l'éveiller pour juin 2022. L'endroit, c'est la 10, je vais vous la lire. Cette carte vous invite à vous relaxer, à méditer. Il vous propose de cultiver votre harmonie, votre bien-être intérieur. Si vous avez eu cette carte, c'est qu'il est temps pour vous d'apaiser certaines tensions et de prendre du temps afin de prendre soin de vous. Les journées à venir n'en seront que meilleures. Parfois, le message implicite qui accompagne cette carte nous signifie que nous sommes un peu trop sourds à notre communication intérieure. Et le message est clair. Écoutez-vous. On va terminer avec les petites cartes chansons. Ce sont des cartes avec des mots français et anglais. Ces mots-là peuvent vous donner des chansons. Et dans ces chansons, si vous les écoutez, vous pourriez recevoir un message. Si à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, dans ces cas-là, laissez-les en commentaire. Il y en a des fois, j'oublie et je regarde et je me dis « Mais pourquoi j'y ai pas pensé ?» Allez, pour les béliers, pour le mois de juin, sachant que ça peut s'étendre sur une partie de juillet aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a amis, copains, copines. C'est drôle puisqu'on vous parlait en carte blocage des autres. Hein. Amis, copains, copines. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Didou, andidi, ididou, andididou. Toute la vie, nous serons toujours réunis. En anglais, c'est silver. On a quoi? On a âme. Mais je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme et ma voix. Si fragile une flamme au son de ta voix. Mais que Dieu me damne si j'oublie ma voix, que la vie me condamne. Et c'est à cette flamme qui brûle pour toi.
On a quoi aussi? Regard, regardez. C'est pas regarder par la fenêtre, regardez par la... regardez. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on a quand on est devant moi. regard. Le regard, ouais. Alors en anglais, vous avez Lord et vous avez to rain. It's raining man. Hallelujah. Là, on a poisson. Le poisson. Ouais, bah à part les petits poissons dans l'eau, il y a quoi aussi? Ah, les prends un petit poisson. Alors ouais, mais cette chanson, je sais, pour ceux qui se souviennent, c'était toi toi mon toi. Les paroles sont quand même un peu bizarres. Prends un petit poisson, mets-le entre mes jambes. Je ne sais pas ce qu'elle fait la fille avec le poisson, c'est un peu dégueulasse. Et il y a day pour le jour. On a body. Touch my body. Mère ou maman. Maman, c'est toi la plus belle du monde. Mère. Donc mère, la maman. Hein. On a marié, mariage, marie. Marié. Marié, mariage. Marié. La mariée. Le mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Et on a toi, bah toi, toi, mon toi, on venait de le dire. Et en anglais, c'était hair, les cheveux. Ouais, vous voyez que j'ai un accent magnifique. Sorry. Window, la porte, la fenêtre, pardon. Il y a un nom de fleur. Voici des roses blanches pour toi, jolie maman. Magnolia. Les magnolia. Par centaines. Les magnolia. Nanana, nanana de toi. Elle te dit que je suis comme elle. Quand elle chante magnolia. Jouer. Jouer, en anglais, c'est color. Jouer, bien jouer. Bien jouer, jouer. Joue pas, pas avec moi. Car l'amour enceinte, c'est même. Donner. Je te donne toutes mes différences. Nanana, qui faut tant de chance. On sera jamais des standards. Des gens bien comme il faut. Je te donne ma vie. Rockin' good, my friend. Seul, ah bah... Tant de fois, j'ai touché d'aller toucher les étoiles. Que souvent tombant, je m'y suis fait mal. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais? Eh bien écoutez, merci beaucoup les béliers de votre attention. Je vous souhaite... un très bon mois. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous !